Bien que le tribunal écossais n'ait pas intimé l'ordre de réouvrir le Parlement, il place à nouveau le Premier ministre Boris Johnson dans l'embarras. Son équipe s'inquiète que la Cour suprême puisse engager une procédure similaire mardi prochain et tienne compte notamment du langage utilisé par le tribunal écossais, à savoir un cas flagrant d'incapacité manifeste de se conformer aux normes standards de comportement attenant aux autorités publiques. La Cour écossaise a clairement indiqué que cette tentative de restreindre le Parlement était une tactique pour éviter un examen minutieux. Vincent McAvaney, Euronews, London.